Je suis à Auray-Saint-Goustan et puis je descends sur la crêperie Saint-Sauveur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une toute petite ruelle. Et la crêperie est là. On dirait presque Montmartre. Alors ça, c'est la boutique. La boutique de la crêperie. Amzerzo, boutique aux multiples trésors. Cidre de dégustation spiritueux breton, délices salés et sucrés, d'artisans producteurs de qualité. Entreprenez. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Merci pour ta musique. Je vais l'aura, ça, parce qu'elle écoute en fait. De toute façon, je vais l'ouvrir parce que j'ai la clé, ouais. Puis alors, surtout dans un vieux bâtiment comme ça, avec des portes comme celle-là, on n'en voit plus. Regardez-moi ça, tous ces petits secrets bretons, ces farines, ces bières, ces cidres, il y a même du café. Donc ça c'est le port ça. Hein? Ça c'est le port, c'est le pont qu'on voit sur le port. Ben oui. L'armorique. Ah oui. Et le Franklin. Ah oui. Et le Franklin, oui. Ouais. Non, chouette coin ça. Hein. Ouais. Ouais. Chouette coin, Erwan. Ouais, c'est une bonne idée ça, tiens. Donc on se tape. Hier soir, je me suis dit, parce que bon, pour ma épicerie, on a une autre porte là, Aurore. Aurore, elle pourrait faire une petite cuisine tranquille ici, juste pour les prépas. Oui. Pour ça, elle aime bien faire de la pâtisserie, donc. Pour être sympa, quoi. Ouais, à voir. On va pouvoir faire. Ah ben, je pense que des idées, tous les deux, vous en avez plein la tête. Hein. Oui, oui, c'est bon. Maintenant, c'est vrai que. Ça va finir, mais on veut pas. Il faut attirer le client. Oui, et puis on veut garder la. On veut garder la maison comme elle est. Ah oui, parce qu'il y a une âme, tu vois, ici. Ça. Il y a une âme qui est magnifique. Et bon. Il faut vraiment garder ça, je crois. Donc, on va voir. Et c'est joli comme tout, hein, avec un petit coin salon et tout, là, dedans. À mettre des petites tables là tranquillement, puis des barriques, je fais rien des barriques en bas, moi. Et manger sur les barriques, pour nous, les gens. Ah ouais. Les gens qui veulent pas se payer, justement. Ah oui, mais on a vu sur le port là-bas et tout. Oh là là, ouais. Non, mais c'est chouette ça. Et voici notre belle petite crêperie Saint-Sauveur, avant le rush de ce midi, parce que oui, ils sont ouverts le lundi et il y a encore du monde. Une clientèle de retraités. Des gens contents.